Bon, on va pas commencer à chercher les coupables, les gars. On a tous notre part de responsabilité dans cette histoire. Problème de communication, problème de... Ah ouais, mais quand t'as dit une personne en plus, je croyais que c'était une vanne. Mais maintenant, la réalité, elle est là, les gars. Et tout le reste, on s'en fout complètement. Alors oui, on est d'accord, il y a eu des larmes, il y a eu des disputes, il y a même eu des ruptures. Mais malgré tout, on est tous restés unis. Ça fait longtemps qu'on traverse la vie tous ensemble. Depuis le CP pour certains. Et pour d'autres, ça fait seulement quelques mois, mais... C'est comme si on se connaissait depuis toujours. On devrait peut-être y retourner. Sacha, j'ai pas fini. On s'est bien battu. On a triomphé. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va se laisser abattre, ok? Les gars, ce soir, après vous avoir vu affronter vos plus grosses épreuves, c'est à mon tour. C'est à moi de vous prouver que je suis capable d'affronter ma plus grosse peur. Ma mère. Et je sais que vous serez là si ça part en vrille. Donc en vrai, c'est pas 2-3 mégots sur le ring, de la bière sur le tapis et 50 personnes de plus qui vont nous arrêter, ouais, d'accord? Donc les gars, aujourd'hui, le seul putain d'enjeu de cette soirée, c'est de kiffer, ok? C'est de kiffer, ouais, d'accord? De kiffer! De kiffer! De kiffer! Qu'est-ce qu'on va faire? Kiffer! Qu'est-ce qu'on va faire? Terminer la prépa de ton road trip, ça y est? Mais même pas, même pas. Faut que t'imagines un vieux maire de 60 piges, ok? Et je lui dis genre, je vais donner cours à des femmes pour qu'elles apprennent à prendre du plaisir et à défoncer des gueules. Imagine, le projet mort. Ça m'étonne pas, ouais. Yes. Mais je t'ai même pas demandé, ça s'est passé comment ton bac? Laisse tomber, c'est mort. J'ai rendu copie blanche en philo. Voilà, c'était la même semaine que la plainte, du coup j'ai serré. Vas-y, l'année prochaine, c'est pas grave. Ouais, je sais pas. Non, mais je me dis que je vais profiter de cette année bonus pour me trouver un but dans la vie, finalement. Et je pourrais peut-être être ton assistante cet été. Quoi? Ouais, t'es d'accord? T'as conscience que c'est se laver dans la rivière, dormir à la belle étoile, c'est... Ça va, je suis pas une princesse. Waouh! Mais qui est ma coach? Carrément! Vas-y, va t'engager. C'est vrai? J'en mets.
Mais viens, je vais présenter mes potes carrément. Vas-y, vas-y, je prends. Allez. Maya, alors, je te présente Frida, ma coach de boxe. Voilà. Mais non. Mais si, c'est elle. Ah bah enfin, elle nous a tellement parlé de toi. Au revoir. J'ai lu ces articles et je me suis dit que ça donnait grave envie de sortir des codes patriarcaux de la monogamie sociale. Ça a du sens, ça, ce que tu vois mieux. Je suis pas sûr qu'on dise comme ça. Non, mais... T'as capté l'idée, c'est sortir des trucs trop carrés, voilà. Des trucs trop carrés? Oui. Attends, mais c'est qui recoud tous tes shorts que tu déchires en faisant du parcours, là? Ah, de quoi tu parles? Bilal, je te parle de sexe. Je te parle de... Arrête de rire, Bilal. Wow. Tu sais que j'aime pas. Je te parle de sexe. Qu'est-ce que tu penses d'un plan à trois? Bilal! Qu'est-ce que tu penses d'un plan à trois? Mec, fille? Les deux? Mais alors dans ce cas, c'est un plan à quatre. On peut aussi en parler. Mais moi, je pensais qu'il fallait qu'on commence crescendo et qu'il y a d'abord un plan à deux, ensuite à trois. Et ensuite, on pourrait complètement partir. Ça dit pas un saut en parachute plutôt? Ah bah si. Ah oui, si. Enfin. Ah bah si, si, complètement. Alors là, tu me cueilles là. Ok. Ok, ça. Vas-y, ça me va. Deal. Ok. Pour les autres? Ben ouais, mais tu sais, en plus, c'est cool parce que ça me stressait de ouf. Je me disais comment on va trouver les gens, ça va être... Je pensais demander aux gens de la MIF, tu vois. Mais c'est bon, c'est un plan à deux direct, déjà, comme ça. Ouais, ouais, c'est chaud, ça. Là, maintenant, tout de suite. Non, non, et en plus, je peux mettre des droits, c'est pas mal, en fait, c'est ça. Mais du coup, comment on se fait? C'est exactement ça. Non, tu peux pas faire mal parce que t'as les bandages, en fait, donc la droite, tu vois. Et... Je pense qu'en fait, le gros, va pas m'appeler, moi, va pas m'appeler. T'as quand même besoin de te protéger. Le soir, vous allez tous partir, moi je vais être là tout seul à me nettoyer. Arrêtez, je vais être en galère à cause de vous. Non, je vous jure, c'est n'importe quoi. Étonne, c'est bon, tranquille. Pff, mec, on souffle, on respire, on se détend. Y a rien de grave, d'accord? La MIF surveille tes arrières, promis. Vous savez, c'est officiel. De quoi? Tu sais, tu fais partie de la MIF, toi? Non, j'ai pas dit ça. Je suis un électron libre, moi j'aime pas tous les trucs de groupe. C'est exactement ça, la MIF, des électrons libres, donc c'est... En vrai, Anaïs... Je pense vraiment que si tu veux bien, on pourrait continuer les vidéos ensemble, tu vois. Bah ouais, de ouf. Ouais. Ouais, de ouf. Tu sens la matière pour au moins 10 saisons là, ça serait trop carré. Anna One Project. Ça tue. Ouais, bon. Toi, qu'est-ce que tu fais? Par contre, la club, désolé, mais c'est dehors. Outside, sinon le frérot, il va nous faire un ABC. Outside, merci beaucoup. Moi, je vous en charge. T'en fais pas pour moi, c'est pas grave. Ça va le faire, je sais que t'as envie d'y aller, mais vas-y, vraiment. J'ai envie, mais c'est juste que ça veut pas dire que... Ça veut rien dire du tout. Ça change rien entre nous. Tu vas tellement kiffer là-bas, ça va être trop bien. Puis c'est juste un mois. Va se passer grand-chose en un an, si. Mais tu vas trop me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. On va reprendre un verre. Ouais. Au pire, j'en ai plein d'autres. Si jamais. Tu sais, en vrai, bah tout ça, c'est grâce à toi. Ton interview, c'est ce qui m'a donné envie de réagir. Attends, faut que je fasse un truc, j'arrive. Ok, pas de soucis. Ça va. Les filles m'ont dit que c'était toi qui avais organisé le collage. Je suis tellement désolée, j'aurais jamais dû le croire. Il m'a pris pour une conne et... T'inquiète. Merci beaucoup, vraiment.
si je vous dis cérémonie des Oscars, vous pensez à quoi? Je sais pas, encore une de tes idées cheloues. Non, selfie au million likes. Oh, c'est le certain, c'est ça? À quel moment? À quel moment la connexion se fait? Et du coup, toi, t'es Bradley Cooper, c'est ça? Ouais, pourquoi pas? Moi, je fais Julia Roberts direct. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu veux qu'on fasse la photo? Ouais, ouais, on va. Bah, par contre, il manque Sacha et Clément. Ah putain, oui, merde. Ils sont passés où? Attends, moi je les appelle tout de suite. Attends, chut, je vais passer à moi. Non, mais écoute, excuse-moi, parce que tu rappelles. Non, mais t'appelles qui? Parce qu'en fait, je sais pas qui c'est. Ah oui, Sacha, la blonde, Bah, elle était en train de danser sur le ring, elles sont les amis. Pardon, maman, j'ai pas entendu mon téléphone, c'est pour ça. Quoi? Les voisins, ils ont appelé. Non, je comprends pas, on est même pas 20, là. D'accord, ok. On va partir. En fait, non, maman, on va pas partir. On va rester. Et tu sais pourquoi on va rester? Parce que je peux pas lâcher mes potes, ils ont toujours été là pour moi. Et puis écoute-moi, je vais pas à l'endroit pour te faire plaisir. Et tu peux pas m'y obliger, tu peux pas mettre un jeune sur la tempe. J'ai envie de travailler pour quelque chose que j'aime. Et j'ai pas envie de travailler pour rendre fier quelqu'un qui vit pas ma propre vie. Non, maman, maintenant c'est toi qui vas m'écouter. À partir d'aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma putain de vie. Et ouais, maman, je dis des gros mots. Et là, c'est pas une fête, là. C'est la fin d'une ère. Elle a dit quoi? Elle a dit, je comprends mon garçon, amusez-vous bien.